Bonjour, ou plutôt rebonjour, pour moi en tout cas, parce qu'on est toujours le 5 juillet, c'est le numéro 18 de Je range mon bureau, et comme beaucoup de livres s'étaient accumulés sur le bureau en mai-juin, je suis obligé de faire trois vidéos différentes, la 16 qui a été publiée le 3 juillet, la 17 qui est publiée aujourd'hui 5 juillet, et puis la 18, donc pour la fin de la pile, il reste 6 livres. Donc c'est bon, on touche le bon bout pour pouvoir apurer les choses et repartir sur l'été. Alors les projets pour l'été, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Peut-être que je vais reprendre du coup plutôt les traductions sans filet, dont je ne fais plus depuis, j'en fais plus depuis de 4 mois et demi. Et puis on voit, j'ai cadré, je vais faire pour une fois une vidéo « Je range mon bureau debout ». Les traductions sans filet, ça arrive, mais « Je range mon bureau », généralement je suis assis, donc c'est des petites variations dans mon booktubing à moi. Et donc j'ai mis en décoration, en quelque sorte, le numéro 1 des lettres de Lémurie, auquel j'ai consacré de manière spécifique la numéro 17. Voilà, donc n'hésitez pas à naviguer un peu dans tout ça. Ces vidéos ne sont pas beaucoup regardées, mais c'est pour les happy few, comme on dit ou comme on ne dit pas d'ailleurs. 6 livres, donc, pour la dernière édition de l'année universitaire, on va dire ça comme ça, de l'année, peut-être même de l'année, en fait, de Je range mon bureau, parce que j'avais dû commencer au printemps 2017, je ne sais plus bien. Tout d'abord, parmi les livres que j'ai achetés d'occasion au cours du printemps, un que je n'ai pas lu en entier parce que ça ne m'a pas tellement passionné ou intéressé, c'est La troisième balle de Léo Peyrouts. Alors Léo Peyrouts, j'en avais lu 3 ou 4 il y a une dizaine d'années, il y en avait un que j'avais même lu en allemand, Zwischen 99, et puis les autres en traduction française, et notamment Turlupinpin, je ne sais jamais, Turlupin tout simplement, et la neige de Saint-Pierre, qui sont des très beaux livres, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, j'ai acheté, du coup, un peu les yeux fermés, au Bibliovore à Tours, cette troisième balle traduite de l'allemand par Jean-Claude Capel, qui est un livre de 1915, qui est apparemment un des premiers romans qui a cherché à déconstruire un peu la figure des conquistadors, et qui donc s'attache à démonter un petit peu la conquête du Mexique par Cortés. Et donc ça parle de la marche sur Tenochtitlan en 1519. Et bon, ça m'a pas, en fait, l'écriture m'en a pas trop intéressé. J'ai un peu de mal souvent en fait avec tous ces romans historiques de cette période-là, de la période de la Renaissance, enfin, tous ces romans qui sont des fictions historiques de la Renaissance, de la Conquista, tout ça. Donc je suis rarement passionné. Je vais quand même lire un extrait d'un chapitre qui s'intitule « Le brouillard ». J'étais allé jusque-là et même un peu au-delà. « Dans le crépuscule du souvenir où se fondent les choses que j'ai vues de mes propres yeux et celles que d'autres m'ont racontées, dans le jardin à l'abandon du passé, il est une journée qui se détache de tous les autres et qui n'a ni passé ni futur. C'est la nuit triste de Cortés. Nous menions alors notre plus dur combat, non pas contre des hommes, mais contre le brouillard. Dans la journée, chape dense et pesante, il recouvrait la ville ennemie telle une tortue venimeuse et la mettait à l'abri de nos regards. » Mais la nuit, lorsqu'il avait cédé la place à l'obscurité qui enveloppait et masquait la ville, il se levait et abandonnait sa faction. Sans bruit, il s'approchait de notre camp. Des lambeaux de brume, tels des tentacules, s'insinuaient dans les allées, s'infiltraient dans nos tentes et pesaient lourdement sur la poitrine des dormeurs. Cette nuit-là, la nuit où commença la tristesse de Cortés, tous les Espagnols firent le même rêve, à la même heure, pendant leur sommeil. Et commence là un chapitre qui rappelle en fait beaucoup les scènes shakespeariennes et notamment la fin de Richard III en fait. Donc voilà, pas plus passionné que ça, donc Léo Peyrouts, La troisième balle, traduit par Jean-Claude Capel, c'est chez Fayard, ça a été publié en 1987, mais c'est un roman de 1915, un livre qui m'a beaucoup plus marqué en fait et que j'ai acheté sur la seule fois du nom d'un de ses deux co-traducteurs, et aussi, je l'avoue, de deux autres éléments dont je vais parler, c'est Crépuscule de Stefan Hermelin. Stefan Hermelin, c'était publié en 1979, c'était un écrivain est-allemand, en fait, mais qui est né en 1915, donc qui était berlinois et qui a décidé de rester du côté est-allemand. Il était communiste et clandestin, en fait, dès 1933. Il est entré en clandestinité dès l'âge de 18 ans, au moment de l'avènement d'Hitler. Et Stefan Hermelin, je ne connaissais même pas le nom, mon attention a été attirée parce qu'en fait c'est un livre qui a été co-traduit par Guillevic, par Eugène Guillevic, qui est un de mes poètes favoris,
Et donc ça m'a intrigué, donc j'ai ouvert le livre, c'était là encore chez un bouquiniste, et j'ai vu qu'il y avait une épigraphe de Robert Falza, bien, et puis un incipit que je vous lis, à l'arrière-plan, devant deux hautbois et un hautbois d'acacia, des violoncellistes et la basse continue entonnent le thème que le chœur à la mesure 24 répète à l'unisson. Alors voilà, ça faisait quand même trois éléments. Ça, bien sûr, et la quatrième de couverture qui m'a montré que c'était un texte sur justement l'avènement de Hitler, un sujet qui m'intéresse, on va dire. Voilà, co-traduit par Guillevic, parlant de hautbois dès la première phrase et avec une épigraphe de Valza, ça faisait vraiment beaucoup d'éléments, il n'y avait pas à hésiter. Je lis, donc c'est un livre effectivement dans lequel Stefan Ermlin, de manière autobiographique, raconte l'avènement de Hitler, la manière dont il est entré en clandestinité, la perception, enfin ce qui se passait dans le pays, et c'est un témoignage qui est très important, parce que ce qu'il montre, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas ne pas savoir, et qu'en Allemagne, ceux qui ont choisi de suivre l'hitlérisme, ben voilà, enfin, étaient des personnes moralement faillies, on va dire ça comme ça. Je lis un bref chapitre du milieu du livre. Un nouvel obscurantisme se réveilla au milieu d'informations effrayantes, d'angoisses indécises, de discours apaisants. En une nuit, des sectes se formaient, se répandaient, exposaient leurs hebdomadaires multicolores au mur des kiosques. L'horoscope commençait à diriger la vie de millions de gens. Le chef le plus influent de ces sectes était capable de remplir le palais des sports de Berlin quand il appelait à des rassemblements. Il correspondait avec l'esprit de Frédéric le Grand et celui de Bismarck. Ceux-ci annonçaient grâce à leur porte-voix terrestre que l'avenir appartenait aux forces nationales. Le journal de ces sectes se distinguait par des manchettes particulièrement fantastiques qui attiraient les regards. Le dernier ou l'avant-dernier été qui précéda la catastrophe, je lus un matin ce titre. Le 19 août, l'Angleterre sombrera dans la mer. L'article qui suivait expliquait que maintenant le Seigneur ne supporterait plus longtemps les péchés accumulés et commis avant tout envers l'Allemagne par les plutocrates britanniques et qu'il avait décidé de faire engloutir l'Angleterre par les flots. Le sérieux rageur de la prédiction me dérida, mais mon sourire allait bientôt disparaître. J'attendais avec une certaine impatience le jour annoncé, tandis que l'édition suivante du journal, tandis que j'éprouvais le sentiment d'une déconfiture inévitable, je lus la sèche annonce de la nouvelle que l'Angleterre avait sombré aujourd'hui. Je compris qu'il serait vain de vouloir détromper ceux qui y croyaient. La pensée que tous les autres journaux passeraient sous silence cette nouvelle et qu'ils continueraient à donner les dernières informations d'Angleterre, voir la présentation de journaux anglais avec leurs nouvelles de la cour et les derniers résultats du tournoi de Wimbledon, comme une invitation à faire un voyage en groupe en Angleterre, afin de se convaincre de visu de la survivance de l'île, tout cela serait effacé par un sourire muet de supériorité. Car pour ceux qui avaient décidé désormais de suivre le maître, avec un M majuscule, et d'être par là même dans la vérité, toute contre-preuve, fût-elle l'information contraire ou l'annonce de l'accostage du bateau à Folkestone ou à Douvres, serait œuvre du diable et tromperie. Justement, la contradiction apportée par d'autres, leur nombre largement supérieur et la force de leur contre-preuve consolideraient les aveuglés dans leur opinion, car il existe chez un petit nombre la fierté aveugle, la garantie d'être seul en possession du salut, précisément à cause de leur insuffisance et de leur manque de force persuasive. Et si j'ai choisi de lire ce texte et ces deux pages qui sont un peu longues, c'est parce qu'on est en plein dedans en ce moment, en 2018, plus que jamais. Ce que décrit merveilleusement Stefan Ermlin dans ces deux pages, donc traduites par Colette Zenadi Albertini et Eugène Guillevic, c'est la manière dont cette fameuse post-vérité et ces alternative truths qui sont substitués aux vraies informations dénoncées comme fake news, d'une part, mais aussi tout le ressort conspirationniste, à savoir que plus on prouve aux conspirationnistes qu'ils ont tort, plus on donne les faits scientifiques, les faits objectifs, les données historiques et les données objectives qui démontent les arguments conspirationnistes, plus ce conspirationnisme s'en nourrit par une sorte de paradoxe un peu fou et de cercle vicieux un peu fou. Bien, c'est exactement ça qu'il décrit. Je compris qu'il serait vain de vouloir détromper ceux qui y croyaient. Et donc cette collusion entre le conspirationnisme et le fascisme, moi quand j'ai lu ça en train de début juin en allant à Lyon, je me suis dit, oh, on est dedans, et dans tous les sens du terme. Donc voilà, Stefan Ermlin, Crépuscule, à lire vraiment, et puis pour ceux qui lisent l'allemand, voilà, en allemand ça s'appelle, on ne sait pas comment ça s'appelle, c'est pas bien ça. On n'a pas le titre original, enfin, ça doit être le mot allemand qui signifie crépuscule, et j'avoue que je ne sais pas comment ça se dit, et j'ai pas vérifié.
toujours tiens dans des traductions. J'avais acheté les pensées de Leopardi chez Alia. C'est traduit, je vais le dire tout de suite, de l'italien par Joël Guéraud, c'est une édition de 2001. Et je vais juste citer la pensée numéro 48 de cette édition. On peut juger de l'amour que la nature nous inspire envers nos semblables en observant les réactions d'un animal ou d'un petit enfant devant sa propre image reflétée dans un miroir. Se croyant en présence d'une créature pareille à lui-même, il entre en fureur et cherche de toutes ses forces à la frapper et à la détruire. Les oiseaux domestiques, bien qu'apprivoisés et déjà très doux de nature, se précipitent les ailes gonflées contre leur image et la piquent à coups de bec en poussant des cris. Le singe, quant à lui, jette si possible le miroir à terre et le foule aux pieds. Voilà, ça c'est les pensées de Leopardi, j'essaie de faire vite. Le dernier livre d'Éric Chevillard, avec des illustrations de Jean-François Martin. Défense de Prosper Brouillon, et c'est aux éditions Noir sur Blanc. Voilà, c'est aux éditions Noir sur Blanc, Défense de Prosper Brouillon. Alors c'est un texte, c'est un essai, ou c'est une parodie d'essai, puisque dans ce livre, Éric Chevillard crée un narrateur, qui est un universitaire, ou un amateur éclairé, on ne sait pas trop, et qui décide d'écrire un manifeste dans lequel il veut prouver qu'un écrivain qui s'appelle Prosper Brouillon est un grand écrivain, malgré ce qu'en disent ses détracteurs. Et en fait, pour Chevillard, c'est évidemment un protocole indirect, un protocole ironique, qui lui permet en fait de citer un très grand nombre d'écrivains, de mauvais écrivains contemporains, sans jamais dire leur nom. Alors, Chevillard a pas mal recyclé ses chroniques du Monde à ce sujet-là, à savoir que moi j'ai retrouvé en recherchant du coup qui pouvait être l'auteur de telle ou telle citation, ben, je suis retombé en fait sur les chroniques de Chevillard dans lesquelles il avait déjà cité tel ou tel passage comme étant particulièrement malencontreux ou particulièrement mal écrit ou particulièrement bête. Donc voilà, donc il a un petit peu fait du recyclage, mais il l'a fait de manière intelligente, puisque ça prend une forme très homogène, très suivie, dans ce texte qui va faire une centaine de pages. Alors les pages ne sont pas numérotées, ça c'est un peu agaçant. Si, elles sont numérotées, mais sont numérotées à un endroit où on ne peut pas voir un numéro, donc bon, il faut vraiment s'arracher, voilà, ça fait 100 pages, effectivement. Voilà, donc c'est très drôle, c'est un petit peu vain quand même, mais ça permet aussi de vraiment de prendre la mesure de ce que un certain nombre d'écrivains contemporains très populaires peuvent avoir, en fait, non pas de seulement voilà, populaires, c'est vraiment juste des tissus d'ineptie. Et donc voilà, c'est une manière pour Chevillard de transformer ça, d'en faire une sorte d'œuvre un petit peu plus poussée. Bon, malgré tout, c'est un peu superficiel, c'est très drôle, donc ça remplit sa fonction de ce point de vue-là. C'est très drôle, c'est assez méchant aussi du coup, mais c'est un peu superficiel quand même, à mon avis. Un livre en anglais, il en fallait un quand même, un seul. C'est qu'en fait, en juin, d'abord j'ai beaucoup travaillé, donc... j'ai pas beaucoup travaillé en anglais, sur la lecture de texte anglais, puis j'ai surtout lu beaucoup de Nadine Gordimer, parce que je vais préparer un cours d'agrégation sur un recueil de nouvelles de Nadine Gordimer l'année prochaine, donc j'ai lu beaucoup autour de Nadine Gordimer, et ça du coup j'en parle pas ici, parce que je suis pas prêt de ranger les livres, j'en ai encore pour un moment. Donc j'ai lu pas mal de choses en anglais, mais qui sont pas dans les livres à ranger. Il y a notamment Nadine Gordimer. Donc, un livre en anglais, Alphabetical Africa, de Walter Abish. Alors, Walter Abish, on le présente généralement comme une sorte d'oulipien, on va dire, américain. Donc, ça repose sur un principe d'écriture à contrainte. Et Alphabetical Africa, c'est un livre qui est composé de, je ne veux pas dire de bêtises, il faut que je revérifie, normalement de 52 chapitres. Je vais expliquer pourquoi je connais et pourquoi le nombre de chapitres est important. Voilà, 52 chapitres, 26 x 2, intitulé de A à Z pour la première partie et de Z à A pour la deuxième partie. Alors, ça veut dire que le centre du livre, c'est ça. Oui, alors c'est un livre acheté d'occasion, il est tombé en morceaux en cours de lecture, hein, la mauvaise reliure. Donc voilà, ça c'est le centre du livre, donc Z, Z, ça veut dire que ça c'est le chapitre 26, et ça c'est le chapitre 27. Et alors, pourquoi ce dispositif? C'est parce qu'en fait, le livre a été écrit par Walter Abish, et c'est une prouesse d'écriture évidemment, c'est un principe un peu à la Pérec. Le premier chapitre qui s'appelle A, il ne s'autorise que des mots commençant par la lettre A.
Avec le chapitre B, il se met à ajouter des mots commençant par la lettre B, mais tout en gardant des mots commençant par la lettre A, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'effectivement, les chapitres A, B, C, D, E, on va dire, voilà, le chapitre commençant par la lettre F, F étant la sixième lettre de l'alphabet, ça veut dire qu'il n'a la possibilité d'écrire ce chapitre F qu'avec des mots commençant par les lettres A à F. Donc il s'interdit évidemment 20-26e, on va dire, roughly speaking, mais 20-26e du dictionnaire. Et donc voilà, donc il y a cette structure du coup qui est une structure ascendante-descendante, puisqu'on aboutit à un chapitre Z, un premier chapitre Z dans lequel finalement tous les mots sont autorisés, pour passer à un deuxième chapitre Z dans lequel tous les mots sont autorisés, et puis la contrainte redevient réductive, réductrice, je ne sais pas comment dire, puisqu'on va lire évidemment des chapitres utilisant de moins en moins de mots, ou en tout cas de moins en moins de mots commençant par moins d'initiales. J'espère que je me fais comprendre. Alors, c'est un livre dont j'avais entendu parler il y a déjà une bonne quinzaine d'années, ou peut-être même plus, et que j'avais jamais eu vraiment entre les mains, donc là je l'ai trouvé chez un bouquiniste. Aucune raison de se l'interdire. J'ai trouvé ça pénible à lire, parce que ça va pas tellement au-delà de l'exercice de style, il réussit pas à vraiment créer une histoire, l'histoire est très confuse, et surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que du coup, comme ça se passe en Afrique, ça se passe autour des milieux, beaucoup de trafic, hein, il y a énormément de trafic fait par des Américains et des Européens en Afrique, il y a une sorte d'essentialisation un petit peu kitsch, et même un petit peu néocolonialiste, en fait, de l'Afrique. Donc ça, je dois avouer que ça m'a gêné, à savoir qu'au nom de la gratuité un petit peu du procédé, au nom du côté de la contrainte d'écriture, de manière pas forcément consciente, je pense, le texte, finalement, charrie un certain nombre de clichés sur l'Afrique, d'ailleurs l'Afrique étant un petit peu homogène, comme ça, alphabetical Africa, ou étant justement dénué de contenu politique. Et c'est vrai que le reproche qui est parfois fait à l'Oulipo ou aux exercices oulipiens d'être totalement apolitisé, mais non seulement apolitisé, d'être du coup dépolitisé, ici ressort de manière vraiment flagrante, parce que il choisit néanmoins un sujet dans lequel entre l'histoire des décolonisations, le livre date des années 70, je crois, et marque en fait, est très très marqué, oui, 1974, est très marqué en fait par un regard ethnocentrique et néocolonialiste. Donc ça, du coup, c'est assez dérangeant aussi. Donc soit c'est un petit peu ennuyeux par moment, j'ai trouvé, je l'ai lu en entier quand même, mais soit c'est même un peu gênant politiquement aussi. Bon, c'est mon opinion et je la partage. Je vais juste lire quand même, parce que la tradition est de lire des extraits. Un extrait donc du deuxième chapitre F, vers la fin. Donc, vous aurez compris, quand on est sur le deuxième chapitre F, il reste 5 chapitres. C'est le chapitre 58, je suppose. Qu'est-ce que je dis, 26 fois 2, 52, 48. Voilà, je vais y arriver. Fantastic conclusions draw closer as Africans discover further ant capabilities and begin employing cheap ants for farms and factories and also acquiring driver ants for breeding. Everyone claims ants are enriching Africa as enriched Africans go around buying everything and by buying asserting an enormous buying capacity and consequently also asserting an enormous demand for bags. But factories didn't anticipate demands. Formerly bags had been a dime a dozen. A dime a dozen! Bags being absolutely essential, factories begin buying dog carcasses and after adjusting assembly, astutely demonstrate a dog's belly can be beautifully decorated and become a fine bag. As demands create better and bigger dog belly bags, factories are built alongside butchers' association. Each day dogs become bags. Eventually even ants avoid dog entrails. Confounded dogs. Donc il y a bon, un peu de drôlerie aussi dans tout ça, hein, dans l'écriture, dans l'absurdité aussi. Ça, le côté oulipien finit par rejoindre une forme de nonsense structurant finalement, permanent. Alors, une remarque que je n'ai pas faite, mais qui s'était imposée bien sûr aux plus perspicaces d'entre vous en m'écoutant parler de ce livre, c'est que la question de la traduction d'un tel livre est évidemment très problématique. J'ai tellement été débordé de boulot que j'ai pas du tout pu faire de recherche là-dessus, ou je l'ai pas pris, parce qu'en une heure, on peut faire un certain nombre de recherches vraiment à l'en avant. Il faudra que je le fasse, donc je prends note ici, il faut que je fasse ça. Est-ce que Alphabetical Africa a été traduit? Et si oui, quel type de prouesse s'agit-il? On sait que la disparition de Pérec a été traduite dans la plupart des
des grandes langues, on va dire, des langues majoritaires de circulation littéraire, sous forme papier. Est-ce que Alphabetical Africa a été traduit? Et si on le traduit, ça veut dire que pareil, il faut se limiter aux mots commençant par la lettre A. Et c'est là où, bien sûr, on va avoir des problèmes, parce que là, dans le chapitre dont je parle, ça va encore, parce que dogs ou ants, fourmis, chiens, ça va, ça tient dans les lettres A à F, mais il y a évidemment plein de choses. Bags, ça commence par, c'est sac, donc ça commence par la lettre S. Et donc là, il y a tout un passage du chapitre F dans lequel, en anglais, on n'a pas le droit d'employer des mots autres que des mots commençant par les lettres A, B, C, D, E, F. Si on veut traduire le texte, si on veut traduire le sens du texte, on est obligé en français d'utiliser le mot sac, et le mot sac, il est interdit du fait de la contrainte. Donc si ça a été traduit, eh bien, je ne sais pas comment ça a été fait, mais alors là, pour le coup, la traduction, lire ce texte avec sa traduction, finalement risque d'être beaucoup plus intéressant que de lire le texte tout seul. Donc ça méritait d'être signalé aussi. Et je vais, en fait, comme je manque un peu de temps et comme j'ai peur que la vidéo soit un peu longue, eh bien je vais encore me déjuger. Et le dernier livre de la pile, le dernier, Un œil en moins de Nathalie Quintane, je ne veux pas le bâcler, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça sera donc pour la 19 ou pour je ne sais pas quand. Voilà, c'était la numéro 18 de Je range mon bureau. On a parlé de 5 livres, hein. La troisième balle de Léo Peyrouz, Crépuscule de Stéphane Hermelin, Les pensées de Léopardi, Alphabetical Africa et La défense de Prosper Brouillon d'Éric Chevillard. Voilà, à bientôt.